Salut les stations. Alors, hier soir, j'ai eu un problème de parasite. À tous les coups, c'est le groupe qui devait me provoquer ça. Et bien, ce soir, le problème, il est réglé. Voilà, je suis là, je sais pas si on voit bien le groupe, là. Et bien, je m'approche un peu plus, voilà. Comme on voit, voilà, il tourne tranquillement, gentiment. Voilà, et ben, j'ai la voiture qui est à 50 mètres de là. Là, ce coup-ci, je crois que je suis assez loin. Et je peux vous dire que là, il fait nuit noire. Il fait un petit peu plus froid qu'hier soir, mais c'est tout bon, puisque rendu là, j'ai tout sorti, je suis presque en t-shirt. Et cet après-midi, 28 degrés là chez moi, là sur la Gironde. Hein. C'est quand même pas mal. Bon, voilà, on arrive à la voiture. Donc voilà, j'ai le bout de la rouleur, voilà, la rouleur des 50 mètres là qui est ici. Ça passe par le coffre. Et bien voilà. Voilà, voilà. Alors, je ne vois pas bien là, si. Mais bon, bref, on entend plus de pyrène. Voilà, l'alimentation est en dessous. Alors j'ai rajouté autre chose en même temps, par précaution, sur les conseils de Eric 14 Victor Eco 27. C'est un filtre, voilà, c'est un filtre secteur fabrication OM, hein, avec deux grandes barres de ferrite là-dedans, avec un enroulement d'un bout à l'autre, un pour le plus, l'autre pour le moins. Et puis voilà quoi. Donc eh bien, ce soir, pareil. Sur l'antenne du push, c'est-à-dire c'est une Sigma Jura 10 PL. Voilà. Ok. Eh bien, les 913-51 à vous de la part de Nadi 33, 14 ODR 002. Et eh bien, à de suite. 21h, on va commencer le QSO. J'entends du monde là sur un autre département à tous les coups. Alors, je suis en train d'essayer de coincer, voilà, dans le pied, la caméra. Attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27 avec le forum Les Ondes du Routier et également la planète Sibi francophone. Les 913-51 à vous tous. Ouais, 73 francophone. Les 73 Fabrice. Alors, tiens, avant que tu arrives, il y a eu Chameau 14 ODR 007 qui a fait une petite apparition, ben, pour nous dire qu'il a un empêchement là ce soir et qu'il ne sera pas dans le QSO. Ouais, qui était derrière, hein. Je n'ai pas pris le micro, mais j'étais derrière, hein. Y a pas de problème. Ok, d'accord, il y a aussi Eric là qui se balade dans le coin. Eric, t'es de retour? Ouais, 73, l'invité à tout le monde, Fabrice, je le resalue. On a déjà commencé un petit contact déjà tout à l'heure, voilà. Et je salue tous les OM qui sont à l'écoute et qui vont participer ce soir avec nous. Voilà, retour à toi, lui. Ah, j'ai cru entendre quelque chose, enregistrer le break, si c'est le cas. Eh bien, tu sais pas à quel point ça fait plaisir de plus avoir de QRM. Alors d'un côté, j'ai écouté ton conseil. Ah, attends, j'ai quelque chose, voilà. Alors, attends, attends deux secondes, j'ai le téléphone qui sonne. J'ai un problème de Larcel à cause du téléphone. Mais là, c'est plus QRM, c'est le téléphone. C'est garçon, le téléphone, qui sonne. Attends deux secondes. Ok, voilà, ça s'est arrêté. Ok, eh bien, il y a Pascal qui vient de nous rejoindre. Pascal, t'es toujours là? Ouais,
Ok, voilà, voilà, je parle en même temps. Il y a Pascal 14ODR001 du forum Les Ondes du Routier qui vient de nous rejoindre, mais pas sur le QSO, via le 600. Il voulait à tout prix justement pouvoir suivre le QSO, enfin tout du moins on écoute. Et, dommage, il n'est pas sur la région, on aurait bien aimé, mais bon, c'est pas grave. Oui, il y a eu un break tout à l'heure, oui. Ouais, enregistrer le break. Et toi, le fait de plus avoir du tout de QRM, là, juste avant de lancer le QSO, j'ai entendu des stations là qui sont sur un autre département. Ça m'est arrivé avec un petit Santiago de 1. Et t'imagines pas, Eric, à quel point c'est génial de plus avoir un pet de QRM. C'est génial, c'est le top. Oui, le break pour l'ensemble du groupe en avant et les bandes sont 13-51. Vous voyez en avant le break? Oui, voilà, j'ai entendu. Et par la même occasion, bon, bah, comme d'habitude, une petite vidéo là pour cette première demi-heure. Voilà. Oui, le break, apparemment, vous devez être sur un autre département car c'est vraiment, vraiment très, très, très QRP là de mon côté. C'est de l'ordre d'une radio de 1, Santiago 0. Voilà, vous avez les bosses en 13-51 de la part de Dandy 33, 14ODR 002, en compagnie de Eric. 14 Victor Eco 27, 14 ODR 027, qui lui est sur Bordeaux Sud, et de Fabrice, qui lui est sur le nord-est, nord-ouest, pardon, du département 24. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez correctement de votre côté. Oui, j'ai entendu une autre OM répondre. Oui, moi j'entends. Les modes sont 13-51 à la station. Voilà, avec un petit peu plus de puissance, si c'est possible, ça serait pas mal. Il m'a semblé reconnaître la voix de... j'ai barré. Yannick, non, c'est pas ça? Bon, je sors plus. Retour Eric, pour voir si toi, de ton côté, tu entends mieux. Et Fabrice, tu me fais des pointes à plus 20, hein. Oui, oui, ok, c'est que ça fonctionne. Ça va, j'ai compris, ouais. Je dois t'arriver pareil, j'imagine. Ouais, c'est 49, là, dernier passage. Ouais, ouais, d'accord, bah oui, ouais, c'est normal aussi, quoi. Voilà, voilà, c'est que ça fonctionne. Ok, bon ben voilà, chameau, voilà comme je... Ben oui, t'as entendu tout à l'heure. Ah, c'est bien dommage, parce que il avait prévu de faire une petite surprise, chameau, ce soir. C'est de faire... de venir de ce côté-ci, là, de venir là sur le QTH, là, sur la colline là, de Saint-Magne-de-Castillon, là, là où je suis, pour voir un petit peu là ce que ça donnait, là, comment ça passait ici. Mais bon, visiblement, il a eu un empêchement. Ah mais oui, ça y est, il m'en a parlé. L'anniversaire de son père. Eh ben ok, je vois pourquoi. Il reste coincé. C'est pas évident les anniversaires, ça c'est sûr. Mais sinon, il faut qu'il mette la CB chez son père. Ah, en voilà une très bonne idée. Hachi. Bon, tiens, j'entends. Si hier soir j'avais la QRM de 3, voire parfois 4, là ce soir ça a un calme olympien, quoi, de ce côté-là. Ouais, alors, oui, voilà ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, Eric. Donc j'ai écouté ton conseil. Bon, j'ai rajouté un filtre secteur, ok. J'en avais deux de brancher à la queue-leu, là, pour là au QRA. Du coup, j'en ai récupéré un, là, pour la station. Et en même temps, j'ai pris ma rallonge de 50 mètres. Et là, ben, j'ai le groupe là qui est dans le noir à 50 mètres du push. Voilà. Super, ouais. C'est toujours avec la hauteur du push, là. Voilà, exactement. Et c'est bien avec l'antenne du push que j'attrape les QRM. Hein. Comme disait Fabrice hier, hein, c'est vrai qu'avec une antenne de push, on attrape plus facilement les QRM qu'avec une antenne de fixe. Ah oui, c'est pas pareil, voilà. Et le jour où tu vas mettre ta...
bah tu m'étonnes, ouais, ça j'ai déjà fait, ouais, mais sur le groupe, sur le groupe pas encore. Mais bon, je sais pas si je t'avais dit, avant je m'en foutais là de me brancher sur directement sur mon ancien véhicule et de laisser le moteur tourner. Tu parles, le moteur à pratiquement 300 000 km, un petit peu plus ou un peu moins, bon, c'était pas bien méchant. Mais là, la voiture est neuve, non, c'est pour ça que j'ai préféré investir dans un groupe. Et puis comme ça, au niveau de l'association 14 ODR, on va pouvoir faire des trucs bien sympas, bien culéraux, et où on veut, quoi. Puisque le truc, il doit faire à peine 30 kilos, quoi. Donc, toi, tu transportes ça, bah, c'est comme une valise, hein, quoi. Et puis c'est tout, quoi. Une valise un peu pleine, quoi, par le poids. Mais c'est tout, hein, voilà. Ah, c'est un 6, même par le prix, parce que j'ai sur Internet, ça casse la tirelire, quoi, voilà. Ouais, mais je te dis pas tout. Je te dis pas tout en fréquent, je te dis surtout que là je suis en train de faire une petite vidéo. Il y en a justement sur le groupe là que il y en a plusieurs qui m'ont demandé le prix. Le seul petit indice que je te dirais, c'est que sur le portail de mon forum, il y a une pub pour le magasin où j'ai acheté le groupe. Alors ça peut sous-entendre quelque chose. Affirmatif, il n'y a pas de problème, ouais, ok. Voilà. Allez, retour au micro Fabrice. Ok, ok, mais ouais, j'ai connu ça, moi, faire la radio. Faire de la radio le soir dans le mobile, j'ai connu ça. Dans les débuts, j'ai commencé, là, il y a quelques années de ça. Mais je suis bien content d'être à la maison maintenant. Ben justement, toi, c'est peut-être contradictoire. On veut toujours l'opposé de ce qu'on a. Je pourrais faire comme d'habitude depuis le QRA, c'est pas un problème. Mais là, je suis vraiment en terrain dégagé, puisque même en push, j'arrive à... Eric, tu vas me confirmer ça après par retour de micro. Mais là, même en push, depuis le sommet là, de la colline là, de Saint-Magne-de-Castillon, je dois passer plus fort que depuis le QRA là, en fixe. Enfin, que depuis le, oui, le, depuis le QRA en fixe dans mon trou, quoi. Je confirme, t'as une radio qui est beaucoup plus percutante, t'as une radio, le signal aussi, y a aucun problème, hein. C'est le jour et la nuit. Ok, eh bien, le prochain coup, quand je reviendrai ici, ah ouais, le week-end prochain, par contre, là, je bosse vendredi, samedi, dimanche, je crois, si je me souviens bien, en nuit, évidemment. Donc là, je pourrais pas... Enfin, moi, pour ma part, je serai absent du QSO, en tout cas. Ouais, non, mais c'est sûr que le prochain coup, je vais revenir avec la remorque, là, par ici. Tu vas avoir l'impression que je suis assis sur tes genoux, quoi. Hachi. Alors, on va pas savoir. Le week-end prochain, tu mets l'antenne fixe sur PC, et puis voilà. Et tu rigoles, tu déconnes avec ça. Et tout à l'heure, je commençais à dire à la voix des ondes, Hachi, que tiens, vu que j'ai le groupe électrogène, ça serait pas mal que je l'emmène. La station, elle est dans une boîte, et ben je la pose là à côté là, de là où je suis, là, un peu caché, et ce qui fait que je pourrais quand même être sur les ondes. Oh putain, j'aurais jamais dû dire ça, quoi. Ouais, pardon. J'ai entendu quelqu'un derrière se manifester, juste une petite minute avant de finir. Faudra qu'on se contacte aussi ça, parce que je sais pas, j'ai vu des choses sur Internet avec Gilles et puis d'une autre personne où j'aurais besoin d'éclaircissement. Tu vas sûrement comprendre. Attends, voilà, je suis revenu un peu sur la fréquence, hein, parce que le matin a dû chauffer un petit peu. Alors là, pour l'instant, je comprends pas du tout de quoi tu parles. Mais ok, ouais, je t'appellerai aux 6 ans, ouais, ça sera mieux, parce que là, je vois pas du tout, là. C'est en ce qui me concerne, en ce qui concerne Gilles, je sais pas. Non, négatif, ça concerne deux petits cousins entre eux, je crois. Ah, d'autres OM? Ah, non, mais j'ai rien vu, là, pour ma part. Mais bon, il n'y a pas de problème, hein, je t'appellerai au 600, hein, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi, il n'y a pas de problème. Mais là, je vois pas du tout. Ok. Ouais, t'as entendu du monde. Alors, est-ce que ma grande gueule va réussir à porter assez loin? Hachi, s'il y a des stations en fréquence derrière qui attendent pour entrer, en avant. Voilà, les bosses sont 1351 à vous, là, de l'ensemble du groupe, là, du Sud-Ouest.
Ouais, j'ai remarqué ça. C'est bien souvent le cas. Le vendredi soir, il y a toujours beaucoup plus de monde que le samedi soir. Et hier soir, j'étais étonné parce que là, on a découvert des stations, là, pour le coup. Ouais, ouais, c'est comme, Yannick, là, de Cabanac. C'est bien la première fois que je l'entends, hein. Daniel. Maintenant, ça me revient, Daniel, je le connais déjà. Ah, ça fait un moment que je n'ai pas entendu. Si c'est bien le Daniel que je pense, j'ai déjà eu quelques fois sur la route. Ouais, affirmatif, qui était là au début hier soir, non? C'est pas le même ou c'en est encore un autre? Ah, si, c'est ça, il est du Lot-et-Garonne, il est du côté de Miramont-Guyenne, je crois. Ouais, ça doit être ça, ouais, c'est le même. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, Belphégor, est-ce que tu es derrière Belphégor? Bon, normalement, t'as vu mon message là sur le forum. Belphégor, est-ce que t'es parmi nous? J'ai pas de QRM ce soir. Apparemment, non. Ouais, toi, Eric, Fabrice, si je dois monter l'antenne, c'est plus les vendredis soirs, hein. C'est clair, hein. Mais tu sais que dans le lointain, j'arrive à entendre quelque chose, mais c'est très très QRP, hein. C'est à peine inaudible. Il y a quelqu'un qui vient de parler. Oui, en avant la station. Zut, j'ai une merde bonne avec le zoom. Est-ce que t'as reconnu la voix? Non, c'était bref. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais, station Cabriqué, là. Tu peux revenir, s'il te plaît. Allez, allez, envoie le steak. Attends, je t'en parler. Non. Ouais, c'est pas méchant. De toute façon, le QSO est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors là, je suis carrément. Je domine toute la région. Oui, c'est vrai qu'hier, il m'avait averti, là, au 600, que là, aujourd'hui, c'était l'anniversaire de son père. Donc, comme il a dit, tu l'as peut-être pas entendu tout à l'heure. Mais il est bien passé, hein, tout à l'heure, là. Il devait être... Attends, je sais pas où il était en plus, j'ai pas le temps de lui demander. Mais enfin, bon, bref, juste avant le QSO, il nous avertit qu'il serait pas là, quoi. Ok, peut-être qu'on aura peut-être un gardien à 100 ans ce soir au CLO. Ça serait pas mal. Ah, t'as son Belphégor pour le QSO. Ouais, j'entends pas non plus, moi, Belphégor. D'habitude, j'arrive à l'entendre, hein, de mon côté, mais là, il n'y a rien. Ce soir, il n'est pas à l'horizon. Mais ouais, en plus, là, j'ai résolu le problème là, de QRM. Au contraire, putain, là, j'aurais été super content là, de pouvoir l'entendre correctement, proprement. Et non, mais de toute façon, là, dans la semaine, il va falloir que je vide la remorque pour être prêt le prochain coup. Bon, pas le week-end prochain, là, puisque je suis pas là, je suis au pro, pour le prochain coup. Ben. Et là,
Par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est pas bien éclairé là où je suis. Je suis là dans un champ, la voiture en plein milieu, pas au milieu du champ, mais pas loin, et au milieu des vignes. Ah, c'est ça qu'on appelle la belle des champs. Ah ouais, oh putain, j'aurais dû allumer la station QVRA. Peut-être que la voix des ondes aurait sauté sur le micro pour le coup. Ah ben, à chaque fois, quand je mets la vidéo sur le groupe 14 ODR, je la mets aussi sur le groupe des Tanons. Donc, il est au courant de l'existence du QSO. Hein. Et puis là, bon, aujourd'hui, j'étais pas mal pris. J'ai fait deux très brefs apparitions cet après-midi. Par rapport à la température là, qu'il y avait chez moi, et puis c'était tout. Quoi. J'ai pas eu le temps de discuter avec lui. Hein. J'étais pas trop en fréquence, les petits cousins, le peu que je me suis bon connecté, la propague était pas là. J'ai même pas allumé la station, je saurais pas dire s'il y avait de la propague ou pas aujourd'hui. Hein. Pas de soucis. Allez, à toi Fabrice. Ben ouais, voilà, ouais. Ben, disons que moi j'avais le fiston là qui était à la maison et tout, ça. Bon, il voulait discuter avec nous, ça, nous montrer des trucs et tout, donc, bon, c'est pas grave, hein. Ouais, ben le fiston, il devrait se mettre dans la radio aussi. Ah, il connaît, hein. Il connaît, mais ça l'intéresse pas. C'est, comment dire, pas les mêmes générations. Lui, c'est plus génération Internet. Ah ben t'as mis, ben c'est exactement ça. Eh oui, c'est tous les jeunes de maintenant. À part il y en a quelques-uns comme le mien, bon, qui aime un petit peu la radio, qui vient de temps en temps faire un petit tour là pour débuter, et puis voilà quoi. Et il est où? Il est pas là ce soir? Ah zut. Jean-Paul, est-ce que tu serais derrière pour histoire de nous faire un petit coucou? Je sais qu'il devait partir ce matin, il partait, je crois, pour la journée. Alors est-ce qu'il est rentré ou pas? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire, j'ai pas entendu de la soirée moi. Bon. Alors voyons un petit peu. Est-ce qu'il y a des stations en fréquence là en stand-by derrière qui veulent participer au QSO? Allez-y, c'est le moment. Ce soir, c'est un petit peu plus calme qu'hier soir. Si vous n'avez pas pu passer hier soir, là ce soir, il n'y a pas. Allez-y, la place est à vous. En avant. Je fais ce que je peux pourtant là. Eh bien, décidément. Ok, bon ben c'est pas grave. Fabrice, une fois tu m'as parlé de construction d'antennes, de bidouilles, de trucs comme ça. Eh bien, là dans un des QSO justement du canal 27. Suite à ça, justement, j'ai fait quelques recherches et j'en ai mis sur le forum. Hein. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas été voir. Non, ça fait un petit moment que j'ai pas été là parce que j'ai pas eu trop le temps, mais j'irai demain. Là. Ok, d'accord. J'ai trouvé aussi des infos là, ça, pour l'antenne Bambi. Toi, des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai pas l'ordinateur ici. Là. Va falloir que je réfléchisse hein, sur comment. Ah ben, si, je vois. Faut que je démonte la poignée que j'ai sur ma boîte à l'expédition. Que je fasse ça autrement.
J'ai trouvé plusieurs trucs hein, justement là qui sont pas mal là, que j'ai mis là sur le forum. Ah ouais? Attends, ce serait pas mal que, je sais pas si t'as toujours le lien, que tu mettes ça justement sur le groupe, là, sur Facebook, là, qu'on s'y intéresse de plus près, quoi. Bien sûr, oui, et puis c'est toujours intéressant d'en parler, quoi. Voilà, hein. Et toi, tu parles du bon coin. J'ai un truc aussi, là, sur le forum, où je liste un petit peu les belles arnaques en matière de vente de poches de CB. Ah non, mais il y a des trucs hallucinants, hein. Des petits 40 canaux AM, AMFM, grand maximum. Certains les font passer pour des postes de l'armée, vendent ça 200, 300, peut-être même 400 euros. Des trucs hallucinants. Il y en a peut-être, ils ont pas mal où je pense, hein, sans déconner. Hein. Et je reste poli, là. Ouais, bien sûr, mais quand tu vois en plus les résumés qu'ils mettent avec et tout ça, le truc exceptionnel, alors ça va être du genre petit à grand Orly ou des trucs comme des petits postes dans ces. Toi, des petits trucs comme ça, quoi, qui font passer ça pour la troisième merveille du monde et qu'ils essaient de revendre à prix d'or. Je rêve. Je rêve. Hein. Non, c'est vraiment du abracadabran, quoi. Allez, un petit retour de micro du côté d'Eric. Ouais, ça prend là, je vous écoute. Je vais être au fur et à mesure aussi, ouais, voilà. C'est bien la fabrique des antennes, comme il disait Fabrice aussi tout à l'heure. Ah, c'est intéressant, voilà, donc, oui, c'est sûr. Et puis, c'est vrai de tenir un petit peu informé tout le monde, voilà, des petites activités locales ou hors département qui peut y avoir. L'info est toujours la bienvenue, quoi. Voilà, c'est vrai que ce loto là que tu parlais, Fabrice, c'est un club CB qui organise un loto. Si bien ça, je ne me trompe pas. Ouais, attends, je te cherche l'annonce là. Je recherche l'annonce, j'y suis. Je suis en train de la rechercher, voir si elle y est toujours. Je vais te dire ça, mais je crois que c'est un club de CB, ça. Ouais, ok. Si c'était encore pas trop loin, ça peut être intéressant de se regrouper à plusieurs avec une voiture et puis faire le déplacement. Mais maintenant, faut pas que ça soit non plus à 500 km, quoi, voilà. T'as des chances. Ouais, bah, c'est bien qu'il y ait des clubs. Il n'y a pas que des comités des fêtes qui font des lotos. C'est bien qu'il y ait des clubs de CB ou de radio. C'est bien. Mais disons que c'est bien de promouvoir encore comme ça la CB. Comme je discutais encore tout à l'heure, je disais avec mon gars, tout simplement, je lui disais, vu la conjoncture actuelle, quand on voit tous les problèmes qui se passent, la CB, un jour ou l'autre, ceux qui en possèdent une, ça risque de rendre bien service, parce qu'il suffit qu'ils fassent péter tous les réseaux, que ça soit internet ou téléphone portable et tout ça, et on se retrouverait quand même pas mal dans la mouise. Et la CB, là, on serait bien content de l'avoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon point de vue. À toi, Rémi. Ok, et bien justement,
Ah ben là tu me fais plaisir parce que on est exactement d'accord là-dessus. La CB, eh ben il n'y a pas besoin de relais pour fonctionner. On a besoin de rien pour fonctionner. Voilà, on est totalement autonome avec la CB. Voilà, c'est voilà là tout est dit. Hein. Et même si au niveau des téléphones, ils disent que toutes les zones en France sont couvertes, ceci, cela, que ça passe partout, ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des endroits où le téléphone portable passe très très mal. La CB, ça passera toujours, hein, dans tous les cas. Et puis la CB, c'est beaucoup plus interactif en cas de problème, ceci, cela, en mobile, tout ça, ainsi de suite, que le téléphone. T'as quelqu'un devant toi, il va lui arriver une connerie, tu le préviens de suite par la CB. Puis les numéros de téléphone ne sont pas marqués sur les véhicules, et puis et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, la vidéo est en train de prendre à la fin, est en train d'arriver à la fin. Je baisse un petit peu le volume pour qu'on m'entende. Alors, les bonnes sont 13:51 à vous tous. Nous, on continue le QSO pendant ce temps-là. Bonne soirée à vous. À plus.